L'émission où je vous annonce l'évangile, rendue possible par Kato Karaoke, présentiel 2023. Je vous annonce l'évangile. N'ayez pas peur, Dieu seul suffit. Aujourd'hui, vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire, année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 13, versets 18 à 23. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffe la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ, bon semeur, désire que sa parole en nous porte des fruits. Chers frères et sœurs en Christ, cependant, notre cœur parfois est bon, dur, superficiel ou imperméable. L'amour y est inconstant et passager. Parfois aussi, nos vices en étouffent la présence de Dieu. Plaise au Seigneur de nous venir en aide, en purifiant notre cœur de tout ce qui l'étouffe. Amen. Que cette parole de foi et de confiance nous soutienne tout au long de cette journée. Amen. Méditation proposée par le frère Oclou Élisée, missionnaire comboniaire du cœur de Jésus, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanukopé, dans l'archidiocèse de Lomé. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux en ce jour. Et à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, nous vous disons courage et heureuse espérance en Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'émission où je vous annonce l'évangile, rendue possible par Kato Karaoke, présentiel 2023.